Voilà la suite de l'abécédaire de A à Z. Si tu te souviens bien, on s'était arrêté à la lettre D comme dromadaire, date, dindon, dahlia, dune. Et après le D, on continue aujourd'hui, on va faire 4 ou 5 lettres. Alors, qu'est-ce qu'il y a après le D? A, B, C, D, oui, E. On retrouve la lettre Et on va chercher sur cette page, sur cette double page, toutes les images qui commencent par Ah, escargot, ce mot commence par le E. Échelle, oui. Est-ce que tu en vois d'autres? Écureuil. Le E, il peut faire E ou il peut faire E. Hein, tu te souviens que mademoiselle E, quand elle a son auréole sur la tête, elle fait E. Écureuil, échelle, escargot, éléphant. Et là, qu'est-ce que c'est pour faire du vent? Éventail. Et l'écureuil, il est sur quoi? Sur des échasses. On dit échasses. Et cet arbre, ses branches avec ses belles feuilles, c'est un érable. Érable. Est-ce que tu vois d'autres mots ici? Écharpe. Là, on voit étoiles, des étoiles. On a trouvé beaucoup. Je vais lire maintenant la phrase. Elvis, l'écureuil, écoute Emmeline, l'éléphante, très élégante. On regarde si on a tout trouvé. Les mots qui commencent par E. Je vérifie à la fin du livre. Écharpe, échasse, échelle, écureuil, éléphant. Érable, escargot, étoile, éventail. C'est bon. On tourne la page après E. F. Alors, je te laisse observer, regarder. Tu cherches les mots qui commencent par F. Et le F, il fait F, comme la fusée. Cet oiseau s'appelle un faucon. Ah, qu'est-ce qu'on voit là sur le F? Des petites fourmis. Et là, cet animal, c'est un faon, comme Bambi, Bambi le faon. Et là, les petits fruits rouges. Eh oui, ce sont des fraises. Qu'est-ce qu'on voit? Des fleurs. Et tout là où on est là, on se trouve dans la forêt. Ah, on a trouvé beaucoup de mots qui commencent par la lettre F et qui fait F. F en capitale, F en script. Fanny le faon raffole des fraises des bois. On vérifie si on a tout trouvé les mots qui commencent par F. Je les redis. Faon, faucon, fleur, forêt, fourmi, fraise. Alors, on n'avait pas trouvé fraisier, c'est là où poussent les fraises. Fougère et feuille. Ah, bah oui, on voit des feuilles. Et là, cette plante, c'est une fougère. A, B, C, D, E, F, G. Voilà le G en capitale, le G en script. Alors, le G, il peut faire G ou il peut faire J. Il a deux sons. Alors, on va chercher les mots qui commencent par G et qui fait G. Ouh, qu'est-ce que c'est? Une grenouille. Oui, glace. Guitare. Gaufre, gâteau, groseille. Maintenant, on va chercher les mots qui font
Alors, le petit lézard, là, c'est un gecko. Est-ce qu'on a tout trouvé? Je lis la phrase. Gisèle, la girafe, gratte sa guitare pendant le goûter. Ah oui, on n'avait pas trouvé le mot goûter. On vérifie, écoute bien les mots. Gâteau, gaufre, gecko, girafe, glace, goûter, grenouille, groseille, guirlande, guitare. Alors, on n'avait pas trouvé. Elle porte un gilet, la girafe. Et galette, ici, les petites galettes. Et là, c'est une gourde. Et là, un gobelet. Ah, il y avait beaucoup de mots hein, sur cette page. A, B, C, D, E, F, G, H. Alors, pour le H, c'est plus difficile parce qu'il ne fait pas de bruit, le H. C'est une lettre muette, donc on ne l'entend pas. On a le hérisson, qui est un mot qui commence par H. Le OU, le hibou. Hirondelle. Hubert, le hibou, attend l'heure pour fêter Halloween. H, I, I en capitale, I en script. Alors, vois-tu, des mots qui commencent par I, le son I, I, iris. Igloo, iguane, et cet oiseau, il s'appelle, ça s'appelle un ibis. Je lis la phrase, Inès, l'ibis s'isole sur un iceberg islandais. Alors, il y a aussi le mot iceberg. Il ne fait pas i parce que c'est en anglais. Et ça fait i, iceberg. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Et on retrouve le J en capitale, le J en script. Alors, on va chercher tous les mots qui commencent par J. Et le J fait quel son? J, comme le jet d'eau. Je te laisse chercher. On est dans un jardin. C'est un jaguar. Il y a des jumelles. Elles portent une jupe. Jonquille. Il y a des fleurs qui s'appellent des jacinthes. Du jasmin. Je lis la phrase. Julie, le jaguar, lit le journal dans son jardin. Ah oui, il y a aussi le mot journal. On regarde si on n'a pas oublié des mots. Jacinthe, jaguar, jardin, jasmin. Ah, il y a aussi la couleur jaune. Très bien. Jonquille, journal, jumelle, jupe. Oui. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On s'arrête au J. La suite une autre fois. À bientôt.